Avec les filles. Aujourd'hui, un petit haul. Voilà, un petit haul Diamond Painting. Donc là, ce n'est pas un partenariat. Nous sommes nous sommes dimanche. Et le dimanche, qu'est-ce qu'on fait? Enfin, pas tous les dimanches, mais bon. De temps en temps. C'est-à-dire la semaine dernière et cette semaine. Nous allons au marché en Belgique, à Boussu. Voilà, c'est près de chez moi. Moi, je suis côté français. excusez-moi. Et on va au marché à Boussu. Et parce que là-bas, il y a du Diamond Painting avec la boutique Fun Mania. Vous commencez à la connaître, je vous en parle régulièrement. C'est une boutique vraiment extra. C'est un couple belge qui fait les marchés avec leur diamond painting et des accessoires pour le diamond painting également. Vous pouvez aussi trouver des cartes, il y a des lampes, là, ah, je l'ai redescendu, mais comme je vous avais montré la dernière fois, il y a des stylets, il y a plein de choses. Donc, ils vendent sur les marchés en Belgique. Vous avez les noms des villes où ils vont sur leur page Facebook. Et ils vendent également sur leur site internet. Voilà, donc comme d'habitude, je vais vous remettre en barre d'infos le lien de la boutique. Et je vous mettrai le lien du DP que l'on a pris aujourd'hui. Et oui, parce que bien sûr, on est revenu avec un DP pour Chouchou. Donc il avait craqué sur un DP. Alors normalement on ne devait pas y aller, hein. Mais bon, ils mettent tellement de nouveautés dans cette boutique que Chouchou a craqué sur un DP. Voilà. Et de toute façon, les prix étant super extra, on ne peut pas s'en passer. Voilà. N'hésitez pas à aller voir. Donc, si vous êtes en Belgique, n'hésitez pas à aller les rencontrer directement sur les marchés. Vous verrez ces deux personnes très sympathiques qui va vous renseigner, va vous aider, va vous conseiller. Si vous n'êtes pas en Belgique, vous pouvez donc commander sur le site internet. Donc, ils livrent bien sûr en Belgique, en France, dans les Pays-Bas, au Luxembourg, en Espagne et en Italie. Si je ne fais pas d'erreur, ce sont les pays où il peut livrer. Donc, allez-y. Et puis, de toute façon, la qualité est vraiment superbe. Voilà, jusqu'à maintenant, on n'a jamais eu de soucis. Allez-y. Enfin, non, j'allais dire les yeux fermés. Non, faut les ouvrir pour choisir les kits que vous voulez. Et voilà le kit que... Alors, on va essayer de pas... Ah, avec cet anneau lumineux, ça va pas. Hein. Voilà, comme ça. Voilà le kit que Chouchou a choisi. Alors, vous vous rappelez, il a fait un autre loup, un loup blanc aux yeux bleus. Et du coup, celui-là lui a tapé dans l'œil aussi. Et il a dit que quand il va le faire, il va l'installer à côté du loup blanc qu'il a fait dernièrement. Voilà. Je vais me mettre face bureau pour vous montrer en détail ce DP. Et voici. Donc, le DP est déballé. Alors, je vous remontre l'image. Voilà. Regardez-moi ça, ces jolis yeux. Il n'a pas de beaux yeux, ce petit loulou? Trop beau. On a avec, bien sûr, un petit toolkit. Alors, attendez, je vais enlever le flash 2 minutes. Voilà. Un petit toolkit avec des petits sachets supplémentaires s'il vous reste des perles pour les remettre dedans. Et bien sûr, on a les perles en chapelet, en sachet chapelet. Voilà, je vais y arriver. C'est dimanche, hein. Alors, vous allez retrouver sur les paquets, alors je vais prendre plutôt celui-là, voilà, sur les paquets, la référence ici du DP. Donc, pour les personnes qui veulent conserver leur DP à plat avant de les faire, ben voilà, vous avez donc bien la référence du kit sur votre. Aidez-moi! Sur vos sachets. Alors, celui-là, le numéro, je ne sais pas. Alors, oh là 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 là, ça refloute!
Celui-là, je ne sais pas comment il correspond. Ça, c'est la couleur. Voilà. A17. Et ça, c'est la référence DMC. Donc là, c'est du 996. Voilà. Je vous montre d'abord bah, le DP, comme il est déballé. Allez. Hop. Regardez-moi ce. Attendez, je vais bouger mon téléphone. Vous allez plus le voir comme ça, en détail. Regardez-moi ces beaux yeux. Trop, trop beau. Je crois qu'il va être magnifique. Alors, c'est un 40-50. Là, vous avez la photo avec la référence du DP que vous retrouvez sur le sachet de perles. Et ici, voilà, bah du coup, je fais comme ça, c'est plus simple. Vous avez les références. Là, ce sont les numéros qu'il y a sur les sachets, les symboles que vous retrouvez sur la toile, bien sûr. Et la troisième colonne, ce sont les références DMC. Donc, vous avez le noir 310. Voilà, ce sont alors des chiffres, des lettres majuscules. Voilà. Et vous avez donc 26 couleurs. Voilà. Je me repose. Je vous montre l'impression. Alors, voilà. Oh, ça floute, ça floute, ça floute. Bon, tu vas arrêter. Ah, je suis désolée, hein, mais en ce moment, mon téléphone, il me fait des misères. Voilà. Ah, mais non, pas encore. Voilà. Je suis désolée. Hein. Alors, voyez que ce qui est, c'est imprimé en blanc, mais c'est vraiment nickel. On voit bien tout. Alors, il n'y a pas de confetti. C'est tous des petits blocs. Il n'y a pas de confetti. Voilà, donc c'est une toile qui va aller très bien à faire. Là, de temps en temps, bon, dans le noir, vous avez des petits, parce qu'il y a des petits reflets, hein, c'est normal, mais c'est une toile qui va aller très vite à faire, de toute façon à la vitesse de chouchou, hein, vous le savez. Hein, il arrive à faire des fois 2 DP en une semaine. Je n'ai même plus le temps de faire les vidéos, je suis désolée, mais je vais rattraper mon retard des vidéos. Hein. Là, les derniers, pour l'instant, il ne les a pas trop filmés, mais je ferai des photos, une vidéo diapo pour vous montrer ce qu'il a fait dernièrement. Voilà, regardez-moi ça, comment il est nickel, ce petit DP. Alors, désolée, ça fait du bruit. Et je vous montre les couleurs. Voilà. Et sont de belles couleurs. Ce joli bleu. Ah, là, il y a des petites perles qui ont sauté, mais c'est pas grave, hein. Voilà. Et voilà. Alors, je pense que je vous ai tout montré, oui. Donc voilà. Alors, je rangerai après. Hop, je vous dézoome. Donc, ce petit DP, alors vous les recevez en boîte plastique rigide comme ça, donc ça risque pas de s'abîmer. Donc, je vous remontre l'image.
Regardez-moi ça, comment il est beau. Donc, c'est un 50-40. Je vais regarder la taille réelle. Alors, 33 sur 45. Oui. 33 sur 45 environ. Ce DP, alors sur le marché, vous allez le trouver à 10 euros. Sur le site internet, je crois qu'il est à 9,99 euros. Vous allez me demander pourquoi il y a une différence, c'est tout à fait normal. Oh, 1, 2, 3. Et comme ça, ils n'ont pas de monnaie à rendre et c'est plus compliqué sur les marchés de rendre la monnaie. Voilà. Donc, mais vous avez un centime de différence par rapport au site. Sur le site, je vous rappelle que si jamais vous faites des grosses commandes, si vous achetez plusieurs kits, pour 60 euros, les frais de port sont gratuits. Donc, n'hésitez pas à faire votre petit plein. Voilà, c'est plus intéressant d'acheter plusieurs DP d'un coup que de faire une commande à chaque fois. Et puis, à chaque fois, vous allez payer les frais de port. Donc, c'est moins intéressant pour vous. Donc, n'hésitez pas à choisir plusieurs DP pour vous avoir les frais de port gratuits. Voilà. Écoutez, je vais vous laisser pour aujourd'hui. J'espère que ce petit DP vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous aimez bien ce style de DP avec des têtes de loups, des têtes d'animaux, voilà, un peu multicolores comme ça. Dites-moi ce que vous en pensez. Et puis, si jamais vous allez passer, alors je n'ai aucun intérêt dans l'histoire, hein, mais si jamais vous passez commande sur le site, dites-le moi, juste comme ça, pour savoir. Ça ne me rapporte rien, hein, vous inquiétez pas. Mais bon, c'est juste pour savoir si au moins ma vidéo a une répercussion quand même pour eux. Voilà. Allez, je vous fais à tous des gros bisous, je vous souhaite un bon dimanche parce que l'on est dimanche. Et nous, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt, bisous bisous.